time to duel! Yo les duellistes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Yu-Gi-Oh Legacy of Duel X, Link Evolution. Let's go! Yugi n'était pas le seul dueliste qui était motivé à remporter le championnat au nom d'un être cher. En dépit d'être un dueliste novice, Joey avait ses propres raisons de vouloir gagner. Sa sœur, Serenity. Je ferais mieux d'être le champion pour Serenity, elle a toujours compté sur moi, même quand nous étions enfants. Je vais gagner ce tournoi, ainsi que le prix en argent. Je vais m'assurer que tu ne perdes pas la vue en payant pour ta chirurgie. Je te le promets. Ce moment de méditation fut brutalement brisé quand Joey et ses amis entendirent quelqu'un rire et rallier un autre dueliste à une courte distance. Une voix aussi agaçante ne pouvait appartenir qu'à Mai. L'équipe rencontre Mai Valentine sur le bateau qui embarquait en direction du royaume des duellistes. Elle était une duelliste égocentrique, manipulatrice, qui avait l'étrange capacité de toujours savoir quelle carte elle allait tirer prochainement. Hey Yugi, tes duels se passent bien? Je suis même tenté par un duel, alors prépare-toi, parce que je choisis de contester toi, Joey. Quoi? Moi? Tu me défies? Tu as les tripes pour les accepter? J'accepte, faisons un duel. Prépare-toi à perdre, Joey Wheeler. Allez, c'est parti, au hasard. Tac, Mike qui l'emporte, Mike qui choisit, Mike première. Ok, on joue second. C'est parti. On va avoir notre même départ. Alors, magicien sombre expérimenté, c'est bien. On a Kuribo et multiplication, c'est bien. Si on tire des tonneilles, on peut encore plus s'amuser. Mais ça va être amusant. Donc à nous du coin, couler. Et ce oiseau va piquer pour un présage funeste. Ok, c'est pas rassurant. Non, on va tirer les 1000 couteaux. Bravo, c'est pas grave, on va à 1450, on a 1450, on a quoi, Madouk à 2000, on va jouer le magicien sombre expérimenté. Et en mode attaque, et on va attaquer bien sûr notre monstre. Façon monstre à elle. Façon battle phase. Go, magicien sombre expérimenté. Attaque son oiseau. Voilà, on affiche des gabailles et on va, bien sûr, terminer notre tour. Une phase. Changement de tour. Donc qu'est-ce que Mai va jouer? Ben je ne sais pas. Sûrement de la barre. Ben, j'espère. Oh, elle joue la défense. Mai n'aurait pas une très bonne main, il n'aurait pas les cartes qu'il faut. On a Malédiction Dragon, ce continue. Ce qu'on va faire, on va peaufiner en invoquant notre elfe ancien. Que cet elfe qui vit depuis des milliers d'années mène une armée d'esprits contre ses ennemis. On passe en battle et je vais décider d'attaquer avec mon elfe ancien son monstre en mode défense. Ah, jolie fille Harpie. Et c'est parti. Magicien sombre expérimenté. Attaque directement ses points de vie. Et je vais... Hop. Oups, je suis allé trop vite. Ce bouton. Tac, tac, terminer mon tour. C'est le tour de Mai. On va voir ce qu'elle va jouer. Bon, le duel il va être rapide, hein, celui-là, j'ai l'impression. Si elle joue pas... Oh, j'aime bien quand j'ai du répondant. Non, on va pas jouer que la défense. Non... Ah, une carte va se cacher quand même. Ah, bah j'ai un deuxième magicien sombre expérimenté. Bon, on va le jouer, ça va être amusant. Allez, go! Magicien sombre expérimenté. Mode attaque. Battle phase. Ouais, je vais attaquer avec mon elfe ancien, hein, directement sur son monstre. Hein. C'est une dame harpie, d'ailleurs. Ouais. On va attaquer directement avec mes deux monstres. Alors, on va frapper pas Mai sur ce tour-ci, mais on va affaiblir Mai au maximum. Il reste presque plus de points de vie. On termine notre tour. Donc... Alors ce deck, ouais, va nous suivre tout au long de cette série Duel Monster. Oh là, elle joue logique hystérique. Harpie. Hop. Ok, elle est en train de jouer la défense, on va se protéger. Ok, bah effectivement c'est pas mal. Alors, ouais, bah si on attaque de toute façon, on gagne sur ce coup. C'est un moins qu'elle me fasse une attaque d'Ikari. On teste, on va voir. Non, ça passe. Donc c'est bon, c'est parfait. Bah vas-y, on va attaquer son monstre et on va attaquer directement le magicien. Avec le magicien sombre expérimenté. Oh là, on a une seconde. Non. Elle avait prévu son coup. T'avais prévu ton coup. Bah oui, on va continuer à attaquer. Je vais pas. Alors, je vais pas prendre de risque. J'attaque la. Harpie qui a plus le nom de la Harpie sur le terrain, hein. Et on va terminer notre tour, hein. Mai a résisté à un tour près, je pensais pouvoir la battre contre ce tour. Donc quoi que des fois on est assez surpris par nos adversaires. Bon après c'est le jeu, hein. Notre deck évoluera forcément, hein. C'est compliqué, le deck évoluera en Dark Magicien forcément, mais on part sur des decks de base créés exprès. Bon, je vais attaquer là de toute façon jusqu'à là, j'ai des... Normalement j'ai gagné. Bah, c'est vrai que j'attaque la harpie qui est le ancien, magicien sombre expérimental, attaque son monstre en défense, une fille harpie. Bon bah j'attaque directement, donc il y a un Kuribo dans la main. Non. Victoire. Berk. Comment les puis-je perdre contre un tel amateur? Mai, j'ai essayé de te dire que tu es de monstre. Il s'agit bien plus que de juste casser la gueule à notre monde. Tu veux vraiment être une vraie championne? Tu as besoin d'apprendre à te soucier de quelqu'un d'autre que toi. Et voilà. Donc notre petit duel est fini, ce petit épisode est fini, et oui c'est rapide, mais c'est pas non plus le but d'y passer une heure, 20 minutes à faire un duel aussi simple que ça. Et ben, les duelistes, si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, n'hésitez pas à la petite cloche bien sûr, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, si vous avez envie de commenter, commentez quel deck vous jouez vous par exemple, est-ce que vous utilisez des decks utilisateurs que vous préférez monter vous-même, et que même si vous n'avez pas toutes les cartes, vous essayez de trouver une façon de pouvoir jouer le deck, ou si vous préférez jouer avec des decks qui sont fournis, mais qui sont pas tip top que ça, puisque bah... c'est pas comme dans l'anime, c'est des decks qui sont montés, il faut tomber sur les bonnes cartes et les trois quarts de temps on sait très bien que cela brille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.